Le livre du printemps de Rotrow Suzanne Werner. C'est un album grand format, cartonné, sans texte, qui est en fait le premier jalon d'un cycle de 5 albums qu'on appelle des albums promenades. C'est-à-dire que le regard peut se promener aisément sur l'entièreté de la page. Il y a beaucoup de détails. Vous voyez que la ligne d'horizon est placée très très haut, ce qui permet de remplir la page de toute une série de détails qui foisonnent, hein, vraiment. Alors, dans ce cycle de 5 albums, il y a une pérennité dans l'évolution des personnages. C'est-à-dire qu'on peut suivre un des personnages déjà sur chaque page et ensuite dans chaque volume. C'est un petit peu une évocation du temps qui passe, et ici des saisons, puisqu'il s'agit du livre du printemps. Alors, l'écriture graphique de Rotrow Suzanne Werner est très claire, très intelligible, presque rassurante, puisque chaque chose est à sa place, etc. C'est un livre que les petits pourront lire tout seuls, sans souci, puisqu'il n'y a pas de texte, bien entendu, et l'adulte va pouvoir raconter toute une série d'histoires en fonction des détails qui se trouvent ici, dans la page. Un volume qui a été édité aux éditions suisses de La Joie de lire, la maison d'édition La Joie de lire.